Je suis Sergio Ange Enrique Sobossi, 31 ans. Je suis béninois. Je suis titulaire d'un master en ressources humaines obtenu à Dakar au Centre africain d'études supérieures en gestion. J'ai 7 ans d'expérience dans 3 pays différents, le Sénégal, la République centrafricaine et le Bénin. Il faut reconnaître que lorsque j'étais dans mes années d'études, durant mes 5 années d'études, j'étais dans une association étudiantine qui s'appelait AUSEC. Dans cette association, on avait beaucoup de projets en direction des jeunes. Et quand j'ai fini mes études, je me suis donné comme objectif vraiment de travailler pour les grandes institutions comme la BAT et comme les ONG. Et je suis resté dans cette orientation parce que je viens de faire 8 ans dans les ONG. Et c'est ces 8 ans d'années d'expérience qui m'ont permis aujourd'hui de me lancer vraiment comme objectif de rentrer dans la BAT et de pouvoir réussir à rentrer aujourd'hui à la Banque africaine de développement. Le lien que je fais avec mon expérience surtout et les high five de la Banque africaine de développement, c'est le fait que j'ai eu à passer, comme je disais tout à l'heure, 8 années d'expérience dans les ONG, principalement dans les ONG où on travaille surtout pour les enfants, dans le domaine de l'éducation, de la protection, de la construction des écoles et également dans le domaine du parrainage et du renforcement des parents. Donc j'ai 8 ans d'années d'expérience dans ces ONG, ce qui me permet effectivement de me relier un peu au cinquième objectif des High Five ou des 5 domaines prioritaires de la BAT qui sont d'améliorer la qualité de vie des populations africaines. Donc effectivement, c'est ces 8 ans d'années d'expérience dans les ONG que j'essaie de lier un peu au cinquième point des 5 domaines prioritaires de la BAT. Ce que j'apporte surtout comme expérience dans mon domaine d'expertise, dans les ressources humaines, c'est que durant mon expérience, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, à travailler au Sénégal, à travailler en République centrafricaine également au Bénin. Donc ce qui me permet aujourd'hui d'avoir quand même une très bonne connaissance de tout ce qu'on appelle les législations, je dirais vraiment des pays ouest-africains et de quelques pays centrafricains. J'apporte également comme expérience la capacité à maîtriser un peu le profil du recrutement un peu déjà de la sous-région ouest-africaine parce que j'ai eu à travailler pour 11 pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud en profil de recrutement pur. Cela me permet également aussi d'apporter au niveau de la Banque africaine de développement des compétences en termes de gestion de staff, en termes de gestion administrative également du personnel, en termes de gestion de congés, etc. Donc ça me permet aujourd'hui d'apporter globalement un peu tous les différents domaines des ressources humaines, d'apporter une expérience assez concrète de par mes expériences au niveau de la Banque africaine de développement. De par mes expériences, pour ce programme des jeunes professionnels, je planifie tout simplement de donner le meilleur de moi-même dans ce programme, d'atteindre tous les objectifs qui me seront fixés et d'atteindre également mes objectifs personnels que je m'aurai fixés et ainsi pouvoir impacter indirectement également sur le développement et sur la réalisation des 5 domaines prioritaires. Donc, je donnerai le maximum de moi-même durant ce programme à essayer de donner le plus grand de moi. Mes aspirations sont sur 3 points. Premier point, c'est déjà de réussir ce programme des 3 ans, donc de maîtriser un peu tous les domaines de la Banque africaine de développement et de pouvoir, à la fin des 3 ans, réussir effectivement le programme. Mon deuxième point, c'est d'arriver à sécuriser un poste au niveau de la BAT après les 3 ans et de pouvoir monter les échelons petit à petit et atteindre le plus grand niveau possible au niveau de la BAT. Et enfin, mon troisième point, c'est lors de mon passage au niveau de la BAT, de pouvoir effectivement impacter sur le continent à travers effectivement la Banque africaine de développement.